Avec Bernadette et tous les pèlerins de Lourdes qui nous ont précédés. Tu as donné naissance au Sauveur du monde. Regarde avec tendresse notre monde en désarroi. Ouvre en nous les chemins de l'espérance. Guide-nous vers celui qui est la source vive, Jésus, ton Fils, qui nous apprend à dire notre Père. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Gloire à Dieu. Permettez-moi de vous dire un grand merci à ceux qui ont préparé cette procession ce soir. Voilà toute l'équipe. Alors ça passe par le chant, la musique, voilà tout ce qui est matériel, les chaises, les bancs, tout ce qui a été déplacé, les fleurs, voilà, tout ce qui est le bricolage, voilà, l'hospitalité qui s'est. C'est bien donné, voilà, merci à chacun d'entre vous, merci à vous tous, voilà, merci à nos jeunes aussi qui sont investis depuis quelques temps. Et notre prochain rendez-vous, c'est demain matin à
10h30 pour ceux qui le veulent à Sainte-Thérèse, à la messe de 10h30, où une dizaine de personnes recevront le sacrement des malades. Et le demain après-midi, à 15h30, l'adoration eucharistique à la cathédrale avec bénédiction du Saint-Sacrement. Voilà les deux prochains rendez-vous.